les fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et qui dit reprise de la chaîne dit forcément reprise des catégories, etc. Et j'ai décidé de vous présenter tous les mois des nouveautés que j'ai pu recevoir de marques de make-up, de soins et autres. Alors je sais que le format n'est pas du tout inédit, je suis moi-même des blogueuses et des youtubeuses qui font ce genre de vidéos comme Laura de la chaîne Laudeuz Makeup par exemple, mais je trouve que c'est une bonne façon de vous présenter un petit peu les nouveautés et surtout une façon de vous présenter les produits un peu isolés quand une marque par exemple ne sort pas une gamme entière mais un seul produit, ça me permet de vous présenter le produit ailleurs que sur le blog. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite par 5 nouveautés que j'ai pu découvrir ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion d'être invitée avec Émilie par Mademoiselle Bio pour une soirée avec Sanoflore. Sanoflore qui est une marque bio que je n'avais jamais testée, donc j'étais hyper contente de me rendre à cet événement. La marque a sorti le Aqua Aeria qui est une brume botanique oxygénante anti-pollution que l'on peut utiliser à la fois sur le visage et à la fois sur les cheveux. Elle est concentrée en huile essentielle et en hydrolat de sarriette citronnée qui est une plante qui pousse dans le Vercors que la marque utilise pour la première fois dans les cosmétiques. Elle a déposé 6 brevets pour ça et qui a été choisie pour son action anti-pollution. Cette brume là a été conçue pour apaiser notre peau mais surtout pour prévenir des dangers de la pollution puisque vous savez probablement que la pollution accélère le vieillissement cutané. Elle est applicable le matin à la place d'une eau florale si comme moi vous utilisez ce genre de produit ou dans la journée pour se vaporiser par-dessus le maquillage. D'ailleurs elle aide à fixer le maquillage donc pourquoi pas, j'ai hâte de la découvrir dans les mois qui viennent et je vous en reparlerai probablement. Le format est un 100 ml qui est très pratique comme ça on peut l'emporter partout dans un sac etc et elle coûte 26,40 €. J'avoue j'ai mon anti-sèche. Clarins qui est une marque que j'adore et que vous commencez à voir pas mal sur le blog et sur mes réseaux a sorti récemment le Pore Control qui est un sérum réducteur de pores, grains de peau lissés et éclats et pour le coup je le teste depuis à peu près un mois donc je peux déjà vous donner mon avis dessus. Il a été conçu pour tous les types de peau et peut être appliqué matin et ou soir avant la crème hydratante ou le soin que vous appliquez. Et honnêtement, c'est un produit coup de cœur parce que la texture est hyper agréable. On a tout de suite un finish sec. Je déteste les sérums qui sont un peu gras, un peu huileux et nous devons laisser pénétrer pendant des minutes et des minutes. Autant le soir, ça ne me gêne pas trop, mais le matin, je déteste. Et la texture de celui-ci est vraiment très agréable et je trouve en effet qu'il est d'une grande efficacité. Mes pores sont beaucoup plus resserrés, le grain de peau est beaucoup plus joli et ça constitue une parfaite base de maquillage. Nul besoin de mettre des produits siliconés, pour moi ce genre de produit c'est tout aussi efficace et vraiment je vous le conseille à 100%. Ici nous avons un format de 30 ml et le prix de ce sérum est de 55 €. Récemment, je suis allée à l'inauguration de la nouvelle boutique Melvita qui se trouve rue de Rennes à Paris. Et vous savez que Melvita est aussi une marque que j'adore. J'étais donc très heureuse de pouvoir faire un petit shopping personnalisé. Et j'ai donc pu craquer sur la petite nouveauté de la marque qui est une douche gommante sans sulfate, reine des prés et miel d'acacia qui se présente dans les mêmes packaging que les gels douches de la marque. Ce petit gommage va permettre d'exfolier la peau tout en douceur. Il peut être utilisé une à deux fois par semaine. Il est composé à base de poudre de noisette gommante et autant vous dire que l'odeur est à tomber. Il est conseillé pour tous les types de peau, même les plus sensibles, puisque c'est vraiment, comme je le disais, une exfoliation qui est en douceur et ça ne va pas du tout agresser votre peau. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ce produit sur le long terme. J'ai déjà pu le tester en boutique et j'ai adoré l'odeur et la texture, donc plus qu'à tester. Et il s'agit d'un format de 200 ml et le prix est de 9 €. Lolita Lempicka a sorti récemment un tout nouveau parfum qui s'appelle le Lolita Land qui prend vraiment place dans un univers un peu féerique, un peu merveilleux dans lequel on trouve des escargots lapins et des biches ailées et j'adore l'univers tout simplement et aussi la senteur. Je suis assez difficile en parfum je dois l'avouer mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite nouveauté. Alors déjà le packaging est absolument sublime.
Le voici, donc on a ici la petite biche ailée et vous retrouverez donc dans ce parfum, si j'arrive à l'ouvrir, là. Et donc vous retrouverez dans ce parfum en note de tête de la pêche blanche, donc on a vraiment le côté fruité hyper frais, hyper agréable. En note de cœur, on va être sur un jasmin pétale et en note de fond, on aura de la vanille de Madagascar assez douce, c'est la vanille qui a été infusée, donc on n'a pas l'odeur entêtante de la vanille, mais voilà, trop agréable. C'est un parfum qui est fruité, mais pas sucré, donc si jamais vous aimez ce genre d'odeur, je vous conseille vivement d'aller le sentir parce que pour moi c'est une très très grande réussite. Nos amis des animaux seront contents puisque le parfum est entièrement vegan et a obtenu le label One Voice, qui respecte tout un tas de critères, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller vous renseigner, mais c'est toujours un bon point de savoir que les produits ne sont pas testés sur les animaux, mais c'est toujours un bon point à ajouter aux produits et je tenais à le mentionner. Le parfum existe dans un format de 40 et de 80 ml. J'ai quant à moi ici le 80 ml qui coûte 104 € et vous retrouverez aussi pour celles qui aiment avoir les combinaisons, le lait pour le corps assorti. Et on termine cette petite vidéo avec une réception de chez Cure Bazaar. Si vous me suivez déjà sur les réseaux, vous avez vu passer les nouveautés puisque j'ai eu l'occasion de vous les faire gagner pour les 4 ans du blog. Et cette saison, j'allais dire, pour cet automne-hiver, Cure Bazaar s'est intéressée à la couleur rouge. S'est inspirée de l'Afrique pour nous proposer 3 nouvelles nuances qui sont très très jolies. On a d'abord le Maasai qui est un rouge orangé que vous avez vu passer pareil si vous me suivez sur Instagram parce que je vous ai montré la première fois que je l'ai appliqué, il est très joli. C'est vraiment une couleur qui est chaude, ensoleillée. On a ensuite la couleur Sienna qui est un rouge un peu plus terreux, j'ai envie de dire. On a vraiment, et d'ailleurs c'est ce que la marque précise aussi, terre chaude, un peu plus dans les sous-tons de marron qui pareil va être très très joli pour l'hiver. Et enfin le petit sari qui est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles, qui est le rouge parfait que nous avons toutes hâte de porter pour les journées où on ne sait pas trop quoi mettre, ou pour celles qui aiment avoir les ongles féminins et chics à la fois. Les formats ici, comme d'habitude avec Cure Bazaar, sont des 10 ml et ils sont vendus au prix de 16 €. Voilà tout pour les nouveautés de ce mois-ci. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Si la catégorie de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je la conserverai pour les mois à venir. Et si vous avez des améliorations à apporter, des choses que vous aimeriez voir en plus ou en moins, évidemment, vous avez le droit de vous exprimer aussi à ce sujet. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou sur le blog, je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao !